Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui une vidéo pour vous montrer en fait la fabrication d'une boîte. Alors je vous explique, je n'ai plus de contenant pour mettre mes diamants pour diamond painting. Et les fadas du DP, on a en avril l'événement multi-artiste qui arrive. Et depuis hier, je réfléchis à comment je vais faire pour pouvoir mettre mes diamants. Alors, essai de fabrication de boîte. J'ai été un peu sous le net pour me renseigner, un peu voir comment je pourrais faire. Et j'ai trouvé un patron, voilà. Celui-ci. Un patron comme ça pour faire une boîte comme celle-ci. Et en fait, les dimensions ne vont pas parce que ça va pas, c'est trop petit. Voilà. Là, j'ai fait un petit peu plus grand au niveau de la dimension, mais c'est encore beaucoup trop petit. Donc je vais en faire une mais avec mais beaucoup plus grosse. Donc voilà, là, voilà le principe de la boîte, ça va être comme ça. Hop, je retire juste ça parce qu'en fait j'avais mis ça. Voilà, ça me sert à coller. Voilà, principe de la boîte, un petit ruban. Alors c'est pas encore simple ça, mais j'arrive à trouver la solution. En fait c'est du papier cartonné de chez Action qui provient de celui-ci. Voilà, de celui-ci, ceux qui connaissent, et donc j'ai pris le papier cartonné là-dedans. Et bah, je vais customiser, c'est pas grave, ça va me faire une petite boîte supplémentaire pour ranger mon bordel, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, ouais, c'était plutôt pas mal comme principe, ça me plaisait bien, ça me plaisait bien. Il faut juste que j'arrive à bien la mettre correctement. Après, au fur et à mesure du temps, je pense que ça va se tasser. Et puis, si je mets boîte par boîte par boîte, l'une au-dessus de l'autre, ça peut être pas mal. Voilà. Mais franchement, c'est pas mal comme principe. J'aime bien. Alors, pour mettre les sachets de diamants, c'est beaucoup trop petit. Hein. On est d'accord. Donc, du coup, je vais la customiser avec vous. Alors, j'ai déjà mis un petit morceau de ruban. En fait, j'ai déjà mis en façade un morceau de papier. Alors, j'essaie de prendre en fait des chutes de papier que j'ai à la maison. C'est celui-ci qui provient également d'un album de chez Action, de celui-ci qui s'appelle, oups, si j'allais la mettre, Calme Nature. Alors je vais vous le montrer, c'est celui-là, Calme Nature, qui est vraiment très très beau au niveau des papiers, vraiment il est super beau. Donc du coup je me suis dit je vais prendre dans celui-ci, il fait très zen. Alors, là, je vais découper, pour la boîte là, voilà, ici c'est bon. Je vais juste faire le dessus. Alors, le dessus, justement, je ne sais pas quel côté je prends. Parce que, en fait, je vous explique, j'ai dû faire un raccord, parce que le papier n'était pas assez large. Et je me demande si je ne vais pas prendre le raccord pour faire le dessus. Je pense que ça fermerait peut-être mieux. De toute façon, je vais mettre des trucs par au-dessus, hein. Ça devrait pas être lourd. Ouais, je vais peut-être prendre le dessus. Alors, du coup, j'arrive même plus à l'ouvrir la boîte pour vous dire à quel point. Mais bon, voilà, je vais l'ouvrir, voilà, la fermer, l'ouvrir, la fermer, c'est plutôt pareil. Alors, du coup, je vais prendre mes mesures comme ça. Je vais pas me casser la tête. Hop. J'ai même la même mesure que là finalement. Hop et hop. Alors j'ai un morceau de carton qui se baladait par là tout à l'heure. Je vais le reprendre et je vais couper dessus avec le cutter. Passe ma jolie nappe. Alors, 21. On va me couper le carton en dessous, je pense que ça coupe ma nappe. Hein. Non. Ce serait dommage que je coupe ma nappe. Ouais. En fait, il ne faut pas que j'appuie trop fort. Je coupe tout le carton qui est en dessous en fait. Super. Voilà, donc ça va aller au-dessus, comme ça, tout simplement.
Et je vais mettre sur les côtés celui-là de papier. Alors, en fait, je vais faire comme ça. Je vais faire mes pliages. Juste que je vérifie, c'est 4 cm, hein, je crois, sur 4 cm sur les côtés. Je vais plier. Ouais, je vais faire ça. Alors, je fais ça vraiment à l'arrache, hein, .com, on est d'accord. Alors, je sais que là, ici, ça fait 4 cm. Mon papier à l'envers. Mon crayon de papier, t'es ouf. 4 cm, je vais plier mon papier. Mon truc là, c'est terrible, il coupe plus du tout, donc c'est un petit peu dingue. Alors, je suis bien à 4 cm. Et là, je peux plier, impeccable. Ok, donc là ici, en fait j'ai pas envie de mesurer, vous voyez, je suis vachement... Juste que je trouve où j'ai fait mon truc, il est où? Il est là. Voilà. Donc, ma boîte. Voilà. Et je vais découper à 4 cm là, ici, du bord. Par contre, je vais découper. Alors les mesures des boîtes, je vous assure que j'ai pas calculé le truc. C'est vraiment, enfin c'est au pif. En fait c'était un essai si vous voulez. Donc comme c'était un essai, 4 cm. 4 cm chez mon petit trait, ma colle qui tombe. En fait, c'est le matin où j'ai les idées qui fusent. C'est un truc de dingue. Et là, franchement, ce matin, quand je me suis levée, je me suis dit, oh, il faut vraiment que je fasse ça. Il faut vraiment que je le fasse parce que j'ai dans la tête tout de suite, là, ça fait 13 cm. J'ai dans la tête tout de suite et du coup, il faut vraiment que ça se fasse. Ah ouais, non, 13 cm, je vais faire le pliage. Et après, j'ai 4 cm normalement. Même un peu moins. Et après, j'ai 4 cm. Alors, je vais déjà plier là. Et puis, en plus, je suis toute seule aujourd'hui à la maison. Claude est parti travailler. Gabriel est au lycée. C'est mon deuxième jour de repos parce que j'ai eu dimanche de repos aussi. Deuxième jour de repos, je vous assure que ça me fait du bien. Encore demain. Ça va me faire un bien fou. Et là, je coupe. Donc, je coupe là et je coupe là. Alors, je coupe. Je coupe, je coupe, je coupe. Alors, par contre, comme mon truc n'est pas très top, je m'attache derrière mon petit cutter.
Ah, ça va mieux là-dessus. Couper comme ça. Couper comme ça. J'ai pas bien coupé. Et là, ça n'a pas bien coupé. J'ai pas envie d'arracher le papier. Ma grosse paire de ciseaux, j'avais dans le coin. Voilà. Hop, chute. Ensuite. Normalement. Ok, il va falloir que je fasse mes coins. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Dans ma tête d'alouette. Je mets ça comme ça par au-dessus. Ok. Donc celui-là, il faut que je le coupe là. Donc je vais couper. Là. Là. Hop, Marie qui tombe. Et un coin. Donc, si tout va bien, ça me fait ça. Nous sommes d'accord. Alors, je vais coller sur ma boîte. Ouais, nickel. Allez, c'est parti. Collons, collons, collons. Collons, collons, collons. N'ayons pas peur de mettre de la colle. Je me demande si mon pot de colle n'est pas un peu vide. Pour que ça colle bien, je vais mettre mes petits trucs. Mes petites pinces là, comme ça. Donc ça, ce sera la première que je fais, hein, mais qui va pas du tout pour mes diamond painting, parce que finalement, elle est beaucoup trop petite. Hein. Je me suis un petit peu plantée au niveau de la taille de la boîte en le faisant ce matin. Mais en fait, je savais pas trop dans quel sens j'allais aller. Je savais pas trop comment j'allais faire, etc., etc. Donc je me suis dit, je vais faire un essai. Et après, je ferai les mesures adéquates si je vois vraiment que j'y arrive. Voilà. Donc là. Hop. Je colle de partout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, ça m'étonnerait. Mais bon. Je colle, je colle, je colle. Et l'autre côté, pareil. Je vais essayer de vous monter un peu plus parce que j'ai pas l'impression que vous voyez grand chose. Ça serait peut-être mieux là. Hein, voilà. Je vois que j'ai presque fini en fait. Oui, voilà. Une petite pincenette, je vais arriver à la prendre. Voilà, ça c'est fait. Ici, dans le sens, comme ça. Non, je sais ce que je vais faire, je vais chercher pour faire mes coins, comme ça, ça sera arrondi, ce sera plus sympa. Je vais faire mes coins.
Du coup, voilà, c'est plus sympa. C'est arrondi. Et c'est plus joli. Voilà. Et je vais mettre un papillon. Alors, pas comme hier quand je me suis vautrée. Parce que j'ai voulu vous montrer un truc. Ouais. J'ai un papillon. Pouf, ça se voit. Oh oui, c'est trop mignon. Hop, je retire ça. Hop, ça va. Je vais coller. Trop du papillon. Je fais des bêtises. Je fais des bêtises, comme d'habitude. Voilà. Plutôt sympa. Alors, dans l'album, il y a bien des petits trucs que je peux mettre dessus parce que ça fait un peu terne quand même si je mets que ça. C'est vraiment dommage par contre que ça se met pas correctement. Bon. Ouais, pourquoi pas. Hein. Bah, franchement, je trouve ça plutôt sympatoche. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Pof. Et je vais customiser encore un petit peu le dessus. Ma boîte. Alors, dans l'album. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je pourrais prendre qui pourrait être sympa? Alors, il n'y a pas des trucs. Il y a des trucs comme ça. C'est bizarre, il n'y en a que un. J'ai dû le retirer l'autre, c'est pas possible. Ah non, voilà. Ah, je savais bien que je n'avais retiré rien. Ok. Vous voyez le cercle sur ma table de cuisine. C'est un truc de dingue. J'ai des trucs partout. Alors. Qu'est-ce que je mets? No rain, no flower. C'est sûr que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de fleurs. Je sais pas de trop finalement lequel je vais bien pouvoir prendre. Ouais, je vais faire un truc comme ça. Alors, du coup, je vais couper. Bon, je vais prendre ça pour couper. Je vais couper et je vais faire comme ça. Donc, je vais prendre celui-là. Hop. Vous savez qu'il n'est pas 8h du matin quand même. C'est un truc de dingue. Moi, franchement, c'est quand même terrible ça. Je pourrais rester au lit quoi. Je pourrais rester au lit, je bosse pas, machin. Ben non. Ben non, je me lève. Je fais quoi? Du découpage. Du découpage. Alors, je vais prendre celui-là et je vais prendre en fait celui-là et je vais mettre en dessous. Donc, je vais faire ça. C'est quand même fou, moi je dis. Hein. C'est quand même un truc de dingue. Et pourquoi je ne peux pas rester comme tout le monde au lit, faire la grasse mat, machin, quand je ne travaille pas? Eh ben non, ce n'est absolument pas possible. Je sais pas pourquoi. C'est quand même. C'est quand même terrible, moi je trouve.
C'est terrible. Alors, je ne vais pas faire de bêtises. C'est pas grave. C'est vrai qu'il fait tellement, c'est tellement calme à la maison que ça fait tellement du bien en fin de compte. Hop, dans chez mon petit truc. Voilà. C'est pas top en fait. Je réfléchis dans ma petite tête. Moi, ça me plaisait bien. Et puis, en fin de compte, c'est pas si top que ça. Ou comme ça, alors. Pas mettre forcément symétrique. Je sais pas. Je sais pas trop où mettre une inscription dedans. Je sais plus, c'était mon doigt, non? Time to relax. Et mettre pas forcément symétrique, ça peut être sympatoche. On va faire comme ça. Comme j'ai ma petite machine là pour faire mes petits. Voilà. Mes doigts arrondis. On va en profiter. C'est quand même plus joli. C'est vrai que c'est quand même plus joli avec les doigts arrondis que. Ou alors un truc comme ça, time to relax. Avec les trois comme ça. Pas, je réfléchis hein. La petite tête comment je peux faire donc c'est des blancs, je suis désolée, je réfléchis pas à voix haute, je réfléchis pas forcément à voix haute, donc ça serait plutôt comme ça parce que ça va aller là comme ça, donc, tu vois là je peux mettre ça comme ça, je peux mettre ça à l'arrière. Comme ça. Et si je mets ça, on verra pas en fait. Je sais pas.
Ou tout simplement, je retire ça et puis je fais ça comme ça. Et je le mets au milieu, tout simplement, au plus simple. Ouais, allez hop, on va faire comme ça, au plus simple. Donc, du coup, je vais coller ça. Hop. Là-dessus. Voilà. Droit, peut-être. C'est vrai que moi j'aime bien les choses qui ne sont pas forcément très droites. C'est un petit peu de travers, j'aime bien. Comme ça, c'est pas mal. Ça me paraissait plutôt pas mal, ça. Comme ça. Ouais, bah voilà, comme ça, c'est pas. Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Hop. Et voilà, ma boîte est faite. Ma boîte est faite. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Je pense que je vais en faire donc une plus grosse pour mettre mon diamond painting, enfin mes diamants diamond painting à l'intérieur. Parce que là, effectivement, je n'ai pas assez de place pour faire ça. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, moi, ça me plaît bien. Voilà, ce concept-là de. Puis, je vais mettre ce petit ruban. Là, enfin, j'avais une chute. J'avais une chute, donc je l'ai mise. Donc c'est très simple hein, comment je l'ai mis. Hein. C'est, il n'y a pas plus compliqué que ça. Je vais vous montrer. D'ailleurs, on voit encore à l'intérieur. J'ai fait un trou. J'ai passé le ruban. J'ai collé le ruban et j'ai remis un petit morceau de carton. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Bon, écoutez, moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je vais faire la même. Mais en un petit peu plus grosse pour moi le diamond painting, donc il me fera une taille. Alors là, j'ai fait combien là? J'ai fait 16. J'ai fait 16. Il faudrait au moins 18. 18 sur 18, ce serait pas mal. Et sur 5. Ouais. Je vais faire ça. Je vais la faire tout de suite. Je vais m'y mettre de suite. Mais écoutez, moi, je vous laisse pour l'instant. Je vais la faire de suite. Et puis, je vous mettrai la boîte que je vais réaliser pour le diamond painting juste après. Voilà. C'est sympa. Enfin, franchement, moi, ça me plaît bien. C'est juste que c'est un peu. Hop. Non, c'est bon. Après, je pense qu'il me reste assez de papier pour faire avec le même papier. Ça, j'en aurai deux. Et à la rigueur, celle-ci, je mettrai le surplus de diamants. Et dans l'autre, je mettrai, ouais, je vais faire ça. Mes surplus de diamants dans celle-ci. Et puis, dans l'autre que je vais réaliser, je vais mettre, en fait, mes sachets de diamants. Et encore, je voulais faire des compartiments. Je voulais faire des compartiments à l'intérieur. Alors là, je ne sais pas comment faire les compartiments. Si je prends des papiers. Comme ça. Je réfléchis en même temps, vous voyez, hein, ça fuse un peu là. Si je prends ça par exemple, un calcul mental, on va prendre n'importe quoi. On va faire ça comme ça. C'est même un peu grand. Je fais ça comme ça et puis que je fais et que je fais des compartiments en insérant en fait des papiers. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Comme ça. Alors attendez. Je réfléchis hein, dans ma petite tête. Un peu plus voir après comment je pourrais faire. Insérer en fait des papiers comme ça. Et faire machin et faire des compartiments. Ouais, ça peut être sympa. Mais est-ce que ça resterait aussi. Est-ce que ça resterait en fait en place?
À voir. À voir, à voir, à voir. Bah écoutez, je vais faire la boîte pour mon diamond painting. Et puis je vous reprends juste après. Parce que si je fais la boîte en même temps, là, la vidéo va durer déjà. Elle va durer 1 heure. Hein, sur 1 heure. 2 heures même. Parce que là, elle fait déjà pratiquement 1 demi-heure. Et une fois que j'aurai fait ça, je ferai avec vous la préparation de ma toile. En fait, pour le 1er avril, la toile qu'on a prise pour les fadas du DP. Allez, à tout de suite. Me revoici avec ma boîte. Alors, j'ai carrément fait autrement. Parce qu'en fait, il faut que je fasse complètement la boîte. Il faut que j'utilise plusieurs feuilles pour faire juste. Ça s'appelle le socle et ensuite le couvercle. C'est compliqué. Du coup, je vais faire une boîte où justement je vais faire juste un couvercle. Donc j'ai la base, d'accord, où j'ai déjà mis mes petites décos en fait dessus. Donc le papier qui va rappeler. Le papier que j'ai pris pour la première boîte qui sera pour mettre la réserve de diamants. Voilà. Ça m'a pris quand même une demi-heure pour faire ça. Alors comme ça rappelle ça va rappeler la boîte en fait. Voilà. Alors je vais faire un simple couvercle qui va aller par au-dessus, mais il me faut deux pages, pas deux feuilles. Deux pages, n'importe quoi. Deux feuilles en fait pour faire ça. Parce qu'il me faut une feuille qui fait où je découpe à l'intérieur. Alors attendez, elle est où ma règle? J'en ai partout. Je crois que j'ai fait 18. C'est ça. J'ai fait un carré de 18 par 18 et en fait j'ai monté les bords pour faire à l'intérieur. J'ai fait 1 cm. 1 cm, c'est pas assez, c'était vraiment juste. Donc là, du coup, je vais faire des bords de 1 cm et demi. Donc ça va me faire 21 sur 21, un carré de 21 20, sur 21 pour faire le dessus. Même un peu plus parce qu'il faut que ça s'emboîte. Je réfléchis encore dans ma tête comment je vais faire. Et après bah, je vais faire la même chose et comme ça ce sera le couvercle. Pof. Hop hop hop. Ça se décolle un peu, c'est pas encore bien collé. Comme il y a plusieurs couches en fait de petits cartons, finalement, et ben de feuilles cartonnées, ben, finalement ça tient bien et c'est quand même assez rigide. Hein. Donc c'est bien. Donc voilà, ben, je reviens avec le couvercle fait. Je vais vous montrer comme ça, ben, ce sera ma petite boîte pour mettre mes diamants. Ouais, pourquoi pas. Et avec le surplus qui va aller au-dessus. Allez, je reviens. À tout de suite. Je termine avec vous et je vous montre ensuite la boîte que j'ai fait, donc qui a absolument rien à voir avec la première. Hein. Alors là, en fait, je suis en train de faire les petits compartiments. Donc j'ai pratiquement terminé. Je vais vous montrer quoi ça ressemble. Hop, hop, hop. J'ai encore de la colle sur les doigts, ça va être dingue. Si j'y arrive, évidemment, si c'est encore. Je n'explique pas. Ça fait depuis ce matin 7 h que je suis dessus. Ouais, 7 h du matin. Et là, il est 9 h. J'aurais fait deux boîtes. Deux boîtes. Allez, rentre dedans. La dernière. Hop. Je sais pas si ça va aller au niveau de mes compartiments. J'ai peur que ce soit beaucoup trop petit. Ça va être beaucoup trop petit. Je précise même si je mets dans ma boîte. Ce sera trop petit. Alors, pas de compartiment. Allez, hop, on arrête, c'est pas la peine. J'ai pas de compartiment. Je vais faire autrement. Je vais mettre carrément mes sachets dedans et
ordre. Alors, je retire tout ça. Je vous montre la boîte que j'ai fait, donc la deuxième boîte. Voilà. Voici la deuxième boîte que j'ai fait. Donc, tout simple, hein, franchement. Pouf, comme ça. J'ai mis ici pour que je puisse mettre, en fait, pour que je puisse écrire dessus ce que c'est. Voilà, une petite, avec un petit papillon. Voilà, comme ça. Voilà, la deuxième boîte. La première, la voilà. J'ai déjà mis des trucs à l'intérieur. D'ailleurs, je vais les retirer. Il me semblait que j'en avais un qui était. En fait, je voulais m'en servir pour mettre le reste de mes diamants, mais je vais voir comment ça va fonctionner. On va essayer de faire ça ensemble. Hop, une boîte. Et une deuxième. Tout simplement. Voilà. Sympa, non? Vous en pensez quoi? Moi, je trouve plutôt sympa. Voilà, alors, le diamond painting que je vais faire pour les fadas du DP pour le 1er avril, l'événement, comment on a appelé ça? L'événement multi-artiste. Voilà, j'ai choisi celle-ci de Aura Loa, de Elena Dudina, donc Nice Surprise. Franchement, je la trouve vraiment très très belle, elle a 50 couleurs. Alors, je voulais faire des compartiments pour pouvoir mettre mes sachets de diamants à l'intérieur et par ordre. On va bien voir. Je vais ouvrir ça de suite. Voici tous les diamants. Est-ce que ça va rentrer dans ma boîte? Donc, le 1, c'est du carré. Hein. Le 2, le 3, le 4, 5... 6, 7, 8. Ah bah du 3, je vois que j'en ai deux autres paquets. On va les mettre à côté. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pareil, j'en ai un paquet en plus. 15. 15. J'ai 50. 50. Si je fais 15, ça fait 15, ça fait 30, ça fait 45. On va faire comme ça. 15, 16, 17. On va reprendre à 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 25, pareil, j'en ai plusieurs. On mettra après. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ça va, c'est dans l'ordre. 35. J'avais dit combien là? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ça va, j'ai pas de double. 45. C'est plus dans l'ordre. Ah, au secours, c'est plus dans l'ordre. Alors attendez voir. 45. 46, 47, 48, 49, 50. Je pense que ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller comme ça. Est-ce que je fais encore autrement? C'est-à-dire que je fais je réfléchis, je vous assure que ça fume, ça fume, ça fume.
ça va en trop. Est-ce que je fais pas des petites... Est-ce que j'en mets pas quand même deux papiers? Deux séparations comme ça. Et comme les séparations ne vont pas tenir, en fait, je sais comment je vais faire. Ah, mais j'ai trouvé. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes séparations. Donc, du coup, je vais prendre des papiers plus grands et je vais mettre un petit peu plus en haut, un petit peu plus en bas et je vais les coller, hop, de chaque côté, ce qui fait que j'aurai des séparations. J'aurai au moins deux séparations. Ouais, alors, du coup, je reprends mon papier. Alors, ça, c'est le surplus. Donc, le surplus, il va aller là. Il va aller là, mon surplus. Il faut que je note aussi ce que c'est. Ben voilà, je vais faire ça. Si je fais comme ça, je mets là et... Je réfléchis, vous voyez, hein, c'est vraiment en fait. Il y a Marty qui veut jouer. On dirait qu'il y a un beau soleil là, comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. On va voir ma petite colle. Je l'ai fermé. Est-ce que vous voulez que ça fonctionne si je ferme le truc? Et ben alors, c'est collé? Ah oui, je n'ai encore pas les doigts. Là, j'avais mis un petit papillon. C'est pas grave. Je vais mettre comme ça. Comme ça, est-ce que je peux rentrer une petite carte dedans? Ouais, je vais refaire une petite cartounette. Alors, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je vous assure qu'on va y arriver. Alors, la petite cartounette, je vais prendre un morceau de papier comme ça. Ouais, je vais faire les bords aussi. Du papier blanc tout simple, je vais mettre un petit papillon. Hop, voilà, comme ça. Là, j'ai celui-ci qui va aller là, comme ça. Hop, voilà. Vous en pensez quoi? C'est plutôt pas mal, non? Comme système, enfin je trouve. Alors là par contre je vais refaire l'intérieur, donc celui-là, celle-là elle est bonne. Je vais juste noter sur ma petite feuille ce que c'est. Donc c'est à dire, alors c'est la réserve. Alors, je vais écrire réserve. Réserve, alors c'est Nice Surprise. Elena Dudina. Et je vais mettre Oraloa. Ok, ça, c'est ma réserve. Hop, on est d'accord.
Donc ça, je vais mettre. Alors, nice surprise. Elena. Elena. Oraloa. Et événement multi-artiste. Et je vais mettre les fadas du TP. Voilà. Ça, je sais que ça va là. Alors, ensuite, j'ai dit qu'il fallait que je fasse mes petites séparations. Puisque c'est mes venues. Alors, du coup, ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. Parce que je vais les garder. Je vais les garder. Je vais les garder parce que si jamais, bon, déjà je vais faire ma feuille comme d'habitude, vous savez, où j'imprime et puis je mets sous plastique là. Et comme ça au moins j'ai ma feuille de route, voilà, et je sais ça, je vais déjà faire ça, ça c'est sûr, et je la mettrai à l'intérieur, en fait, cette feuille là, bof, à l'intérieur de ça. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est mes compartiments, je vais les faire mieux que ça. Donc je vais reprendre. Vous avez vu un peu, franchement, c'est un truc de malade. Bah ouais, mais j'ai plus de contenant, j'ai plus rien. Donc il fallait vraiment que je réfléchisse à quelque chose. Et voilà, bah c'est venu comme ça, tout seul ce matin. Et voilà. Mais je trouve ça plutôt sympatoche. Moi, j'aime bien. Alors, alors là, une feuille qui est rigide. Alors, je vais prendre ça en gabarit. Et je vais mettre, en fait, alors, ici. Ici, hop, comme ça. Ça bien droit quand même. C'est même pas droit ce que j'ai fait. Si, c'est droit. Je vais en faire deux, en fait. Voilà, je vais en faire deux. Et je vais les couper de façon à ce que je puisse là. Ah, j'ai Marty qui est en train de jouer avec les chats. N'importe quoi. Oula, là c'est Marty et Gronat, ça souffle. Marty, je serais toi, je laisserai Gronat tranquillou parce qu'il n'a pas trop envie. En plus, il n'est pas bien. On ne sait pas trop où il a été. Enfin bref, on pense qu'il s'est battu. Il a le dos. C'est pas, on est en train de le soigner en ce moment. C'est pas top, hein, Gronat, en ce moment. Oui, Marty, c'est bon, t'inquiète. Alors, là, ici. Moi, que je puisse couper correctement. Hop. Et là. Il coupe plus bien mon truc. Hein. Donc c'est pour ça que je fais simplement les traits de pliage. Parce qu'en fait, si j'essaie de couper. Non, franchement, il coupe plus, c'est une catastrophe. Oh là là, vous l'entendez, c'est... J'aime pas, ça me fait mal aux oreilles. J'aime pas. Allez, hop. Bon, ben, la vidéo, elle va faire une heure. Hein. Je crois que là, c'est... Je pense que... J'espère que vous avez pris un bon café, quelque chose, enfin bref. Parce que là... Du coup, même pas tout à l'heure, j'ai quoi qui est collé derrière. Oui, j'ai tout qui sont collés derrière. Hop, poubelle.
Ah, pas poubelle, hein, je récupère, mais... Ah, j'ai encore une autre idée. C'est un truc de dingue. En fait, ça vient au fur et à mesure, donc c'est un truc de fou. Donc là, il y a pliage, pliage comme ça. Hop. En fait, je vais faire des pliages comme ça. Je vais faire des intercalaires. Alors, je vais retirer dans l'or, hein, que je vais pas aller remettre après, que j'ai pas cherché. Alors, ça et ça, c'est une partie. C'est ça. Deuxième partie. Oups, là, je vous fais bouger. Et celle-là, la première partie. Voilà, hop. Voilà. Ça paraît un peu grand, mais pour moi, j'ai fait les bonnes tailles. Ouais, comme ça. Ok. Hop, de la colle. C'est pareil, la même sens, la même chose, de toute façon. L'autre. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Ça colle. Ça colle. Alors, j'en ai ceux-là. Ici. Il manque un. J'ai le 2, le 3, le 4, je crois le 1. Super. Bon, on va retrouver le 1. Oh, il est par terre. Voilà. Ça. Ensuite, celui-là, c'était celui-là. Et celui-là, Marty, arrête de te lécher, s'il te plaît. Et celui-là, c'est ça. Alors, intercalaire, pourquoi? Pour les dizaines. Donc, 10, 20, 30, 40 et 50. 10, 20, 30, 40, parce que le 50, en fait, il est tout seul. C'est le blanc. Je pense que ce serait pas mal. Donc là, je pense que c'est bon, ça a collé. Ouais, ça a collé, c'est bien ça. Voilà. Alors, intercalaire, je vais faire. Ou j'en fais pas, je sais pas. Je pose la question. Je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Il faut qu'il soit un peu plus grand, qu'il fasse la taille là. Donc la taille là, ça fait 6. Donc 6, 12,
18. Ouais, ça va être long, hein. Alors j'espère pour vous qu'on fasse peut-être quelque chose d'autre parce que vraiment, ça va être très très long. Ah, regarde. Voilà, en fait, voilà, c'est mes idées qui fusent. Je fais comme ça et puis, ouais, ça fuse. Voilà, ça fuse dans tous les sens, donc, forcément. Et quand on n'a pas de. Et là, je vais faire à peu près la taille du sachet. Hop. Alors, ça fait 10, 20, 30. Encore une. Ça me paraît gros, mais bon. Alors, est-ce que ça va dedans? Bien. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, faut que je fasse plus grand en fait. Rien ne se perd. Hein. Rien ne se perd. Super. J'arrive pas à faire celui-là. Il veut pas. Il veut pas. Si elle a coupé. Voilà. 10, c'est bien comme ça. 10. Et là, je vais mettre. J'ai pas un crayon qui irait mieux au niveau de la couleur, parce que ça, j'ai peur que ça soit pas assez, ça soit pas assez, ou alors on prend le papier. Alors 10, du coup, j'ai fait le 10. Le 30, il est là, il est au 30. Moi, je vous assure, c'est un truc de malade. Hein. Ça va vous paraître long, hein. J'en suis vraiment désolée. Bon, moi, vous voyez. Comment je fais? J'aurais dû les mettre avant, les faire avant. Et bon, c'est pas grave.
Donc là, c'est 20. Ça colle encore. Alors, 20. Il est là. Là, je vais faire le 30. Bah, du coup, je vais faire mes bords maintenant. Le 30, je vais le mettre comme ça, un peu plus comme ça. Je laisse pareil. Le soleil qui arrive, c'est incroyable. Ça fait vraiment du bien là. 27, 28, 30. C'est pas mal, vous en pensez quoi? Le 40. Elle n'a plus envie, hein, la machine. Elle n'a plus envie de faire les bords. Ça s'envole. Par contre, là, c'est un peu rien. Et le 50, je ne mets pas parce qu'il n'y en a qu'une, hein, c'est que le 50. Voilà. Et ben voilà, ma préparation, elle est finie, terminée. Je ne sais pas pour combien de temps il y en a eu de vidéos, au moins pour 1h30, presque 2h, j'en suis sûre. Voilà. C'est cool, c'est fini. Ma préparation, ma toile est terminée. La préparation, enfin, pas tout à fait, parce que j'ai encore ça à préparer, mais ça, je le ferai hors caméra. Sinon, on en a encore pour au moins 3 heures. J'espère que ces petites boîtes, enfin, ça vous aura plu. Voilà, j'espère que vous trouvez ça sympa. Enfin, moi, franchement, perso, j'aime bien ce que j'ai fait. C'est principal. Allez, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.